Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre rendez-vous du lundi matin, ce rendez-vous confinement, où je présente, je réponds à trois questions qu'on m'a posées au préalable. Donc, je vais attendre une petite minute. J'espère que vous allez vous brancher. Alors, si vous regardez cette vidéo en replay, vous vous brancherez sur la minute 3. On va attendre une minute supplémentaire. Ah, ça y est, ça arrive. Bonjour Fanny. Je vais pas tarder à... Coucou. Ravi, ravi de te retrouver, Fanny. Voilà, donc je vais commencer. Donc je profite donc de cette période confinement pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, les huiles essentielles. Qui peuvent être très utiles en cette période un petit peu compliquée. Donc, j'ai fait cette proposition pour répondre à trois questions qui me sont posées au préalable par des personnes sur les huiles essentielles. Donc, aujourd'hui, ce matin, donc c'est notre deuxième rendez-vous. Donc, je vais répondre à deux questions. La première question est: qu'est-ce que le chémotype d'une huile essentielle? Alors, c'est une question très intéressante parce que le chémotype est essentiel pour utiliser une huile essentielle et c'est important de connaître un petit peu, d'avoir quelques notions dans les huiles essentielles pour pouvoir les utiliser correctement. Le chémotype d'une huile essentielle, c'est sa carte d'identité. En fonction, en fait, du biotope, là où pousse la plante, elle va développer. Elle va sécréter des essences biochimiquement complètement différentes, alors qu'à la base, on va partir sur une même plante. Alors, j'ai l'exemple du thym, par exemple, du Thymus vulgaris. Il y a plusieurs sortes de Thymus vulgaris, suivant effectivement là où cette plante va pousser, si elle pousse dans le sud de la France, si elle pousse au nord de l'Afrique ou en Italie. Voilà, elle va développer une famille biochimique complètement différente. Bonjour Cathy, bonjour Sylvie, coucou. Voilà, donc le taux d'ensoleillement, le climat, la composition du sol, l'altitude, en fait, ces composés biochimiques vont permettre à cette plante donc, de s'adapter, mais aussi ça va permettre la pollinisation de cette plante puisqu'elle va... Grâce à ces molécules, elle va attirer certains insectes ou certains oiseaux. Donc, je vous donnais l'exemple du Thymus vulgaris. Vous avez donc plusieurs chémotypes. Vous avez le ST tujanol ou le ST linalol qui sont des chémotypes très sûrs à l'emploi, mais qui sont très bien tolérés par la peau et qui peuvent être aussi utilisés par les enfants. Ensuite, vous avez le Thymus vulgaris, ST-thymol, qui est un très très puissant antibactérien, mais par contre qui va avoir quelques précautions d'emploi, puisque c'est une huile essentielle qui est dermocaustique et qui, si on l'utilise à des dosages très élevés et de façon prolongée, peut être hépatotoxique. Donc voilà, c'est vraiment à faire très très attention, à bien vous informer, à bien demander conseil
à des praticiens de santé qui connaissent un petit peu les huiles essentielles ou à votre conseiller en huile essentielle. Bon, j'espère que cette réponse, c'est OK pour vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quelques petites précisions, je pense que je dois pouvoir tout regarder là. C'est pour ça que je garde mes lunettes, comme ça, voilà, j'arrive à suivre un petit peu si vous mettez, si vous mettez des questions, si vous avez besoin de précisions. Je vous invite à liker, à mettre des petits cœurs, à mettre des likes. Allez-y à fond, ça va permettre aussi à certaines personnes de pouvoir d'ouvrir cette vidéo à un maximum de personnes. Donc ça, c'est hyper important aussi de donner l'information. La deuxième question qui m'a été posée, c'est à quel âge doit-on donner des huiles essentielles à un enfant? Alors, ça aussi, c'est une question très intéressante parce que c'est important de ne pas faire de bêtises hein, quand on est avec un bébé. Moi, voilà, c'est très simple. Avant 30 mois, je dis à toutes les mamans de ne pas utiliser des huiles essentielles sans l'avis d'un professionnel. Et si jamais le bébé a une pathologie, c'est important de se rapprocher du médecin. Voilà, pour que le médecin pose un diagnostic. On va éviter de faire de l'automédication avec les huiles essentielles, mais ça, je vais te dire, en règle générale, hein, qu'on soit un bébé, qu'on soit pour un enfant, un bébé, ou même nous en tant qu'adultes, hein, faites très attention parce que là, on est vraiment sur des molécules biochimiques, donc toujours vous en référer à votre conseiller, à votre praticien de santé. Voilà, donc ce sont des composés aromatiques très puissants. Voilà, donc c'est très important de prendre conseil. À partir de 30 mois jusqu'à à peu près 40 kilos, hein, ce qui fait à peu près un ado de entre 13 et 15 ans, on peut donner une à trois gouttes d'huile essentielle maximum par jour. On va faire attention au. Donc, on l'a vu tout de suite, hein, le thym à thymol, il y a aussi la cannelle de Ceylan, ou les huiles qui contiennent des cétones, comme la menthe poivrée. Hein. Donc, il y a certaines précautions d'emploi à avoir avec ces huiles essentielles. La menthe poivrée aussi pour les personnes voilà, qui font de l'épilepsie, hein. Entre autres. Voilà, les personnes fragiles ou effectivement, s'il y a un traitement. Des médicaments, un traitement suivi médical, c'est important aussi de voir s'il ne va pas y avoir de contre-indication. Alors, doTERRA a mis en place, a créé une trousse hein, spécifique pour. C'est la trousse Kid pour les enfants. Dedans, il y a six synergies sous forme de roller. Ils en ont sorti un dernier qui s'appelle Tamer, qui va être utilisé pour les problèmes digestifs. Voilà, donc cette trousse, moi je vous la conseille si vous avez des petits loulous chez vous et vous pouvez les utiliser directement à partir. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que alors c'est important évidemment hein, de pas faire traîner ces flacons d'huile essentielle quand vous avez des enfants chez vous, mais aussi quand vous avez des animaux chez vous. Donc, toujours une précaution d'emploi, surtout si vous avez un chien qui est assez joueur, faites très attention. Et si par mégarde, votre enfant avale un flacon d'huile essentielle, eh ben, moi je vous invite à lui faire boire de l'huile végétale qui va permettre de diluer l'huile essentielle et d'appeler le centre anti-poison. Le fait de diluer de l'huile essentielle avec une huile végétale, hein, donc que vous avez hein, chez vous, ça peut être de l'huile d'olive, hein, il n'y a aucun problème. Ça peut être OK aussi s'il y a une goutte d'huile essentielle qui coule sur une muqueuse, par exemple, des fois en mettant un peu d'huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes lorsqu'on a mal à la tête. Bah des fois, par mégarde, il peut couler de l'huile essentielle. Je ne vous le souhaite pas parce que ça chauffe un peu. Alors, vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Par contre, diluez, prenez une huile végétale que vous allez mettre comme ça, vous les allez laisser couler sur votre œil. Voilà. Est-ce que c'est OK? Coucou Marilyn, je suis ravie de.
connectée aussi ce matin, c'est chouette. Je suis ravie de vous voir, c'est génial, c'est super hein, quand même, hein, la technologie. Ça sort du confinement, c'est vraiment top. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde là? Allez, les petits cœurs, les petits pouces, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est assez clair ce que je vous dis, ce que je vous raconte? L'impression de, voilà, je ne veux pas parler juste à mon ordinateur, donc c'est OK. D'accord, super. Alors, une question qui revient souvent en ce moment par rapport à cette épidémie, cette pandémie hein, qui est très active sur notre territoire, c'est dois-je booster mon système immunitaire? Alors, il y a deux cas de figure. Parce que c'est important de ne pas tomber dans les peurs, de ne pas tomber dans une espèce de d'état anxiogène. Qui est pire que tout en fait, hein, puisque on sait aujourd'hui, quand on vit un stress comme ça, qui est important, hein, et ben, ça va avoir une action sur notre système immunitaire. Coucou Hilda, non, non. Coucou Hilda, j'espère que tu vas bien ce matin. Cathy, non, non, tu n'es pas toute seule. Yes, les filles! Donc, dois-je booster mon système immunitaire? Alors, il y a deux cas de figure. Si vous êtes en confinement, c'est inutile de vous badigeonner d'huile essentielle tout au long de la journée. Moi, je vous invite à utiliser un diffuseur d'huile essentielle. Donc là, je parle d'un brumisateur. Hein. C'est un diffuseur qui ne chauffe pas les huiles essentielles parce que ça, c'est hyper important de ne pas les chauffer. Et vous allez mettre un peu d'eau et quelques gouttes d'eau à l'intérieur. Ça suffit de diffuser 10-15 minutes le matin et 10-15 minutes le soir. D'accord? Moi, je vois des temps de diffusion. Quelquefois je parcours comme ça, voilà, je vois, allez-y, 30 minutes, aussi souvent que vous voulez. Non, 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 c'est bon, on se calme sur les huiles essentielles et dites-vous bien que quand on diffuse, hein, les molécules restent en suspension dans l'atmosphère. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est toujours, moi je prédis toujours la prévention. Ok, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, en mettre un petit peu le matin, en mettre en local sur vous, toujours respirer, aller sur des huiles émotionnelles, voilà, qui vont votre état émotionnel, qui va vous aider, certaines huiles vont vous aider à harmoniser vos émotions, et ça, c'est complètement ok, d'accord? Mais ne rentrez pas dans cette espèce d'angoisse à vous badigeonner d'huile essentielle. On n'a pas besoin de se stimuler systématiquement notre système immunitaire quand on est à la maison. Par contre, pensez à agir en interne en prenant des compléments alimentaires comme les probiotiques, par exemple, ou comme des enzymes digestives. Alors, vous avez le Terrazyme chez doTERRA qui est génial, puisqu'il contient aussi des huiles essentielles qui vont accompagner et potentialiser les enzymes digestives, ce qui va permettre en fait une meilleure digestion, mais une meilleure assimilation aussi de ce que vous mangez. Il y a aussi le PBA6. Le PBA6, ce sont des probiotiques. Donc vous savez, aujourd'hui, hein, pour celles qui me connaissent, moi je conseille beaucoup les probiotiques. Et là, c'est la période de prendre des probiotiques, justement, qui vont venir renforcer nos bactéries au niveau de nos intestins. Donc, le produit que je conseille, c'est bien sûr le BBA6 de chez doTERRA, puisque c'est important quand vous avez un probiotique qui soit bien encapsulé, de façon à ce qu'il passe en fait la barrière de l'estomac. Et ce qui est intéressant dans les probiotiques de chez doTERRA, c'est que dedans, vous avez des prébiotiques et c'est de la chlorella. Donc, prébiotique chlorella, ça va permettre aussi d'absorber les métaux lourds qu'on peut avoir au niveau de l'estomac, de l'intestin, pardon. Oui, c'est en rupture de stock. Et bien, ça veut dire que ça fonctionne très, très bien et que ça a énormément de succès.
Ça va ressortir là courant avril, donc voilà, pas de problème. Là aussi, encore une fois, c'est important de faire ses réserves. Là, ça nous montre vraiment que c'est important d'avoir sa petite pharmacie d'huile essentielle à la maison, voilà, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir, eh ben, pouvoir prévenir, pardon, c'est les joies du direct à des moments, je perds mes mots, voilà, ça permet effectivement de, eh ben, de prévenir, jouer toujours sur la prévention plutôt que sur le symptôme. Alors, pour continuer en fait sur le sujet, dois-je booster mon système immunitaire? Alors, moi, il y a un complément alimentaire aussi que j'aime beaucoup, c'est le LLV de chez doTERRA. À l'intérieur, vous avez des vitamines, des antioxydants et des oméga-3. C'est important de remettre les réserves, les antioxydants, voilà. Pallier aussi sur tous les états inflammatoires, hein, à bas grade, comme on appelle, hein, donc pour éviter de, voilà, de tomber malade et d'avoir des problèmes de santé. Alors, moi, j'ai une pensée vraiment une grande pensée pour les personnes qui travaillent actuellement et je pense surtout au personnel soignant. Et que je profite de cette vidéo pour saluer. Alors, je ne sais pas, je pense que vous n'avez pas forcément le temps de m'écouter là, ici, maintenant, mais voilà, je lève mon chapeau à toutes ces personnes qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites actuellement. Alors, pour vous, je vais vous donner un conseil. Vous pouvez effectivement utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien et plusieurs fois par jour pour booster votre système immunitaire parce que là, c'est très, très important. Il y a deux synergies que vous pouvez utiliser. La première, c'est On Guard. Donc, On Guard, c'est le bouclier. On le trouve en capsule, on le trouve en synergie. Vous pouvez faire vous-même vos capsules. Et là, vous allez prendre 2 gouttes 3 fois par jour pendant une semaine. Vous allez faire ce que j'appelle une fenêtre des fenêtres thérapeutiques de 3-4 jours et vous allez reprendre. Dans cette synergie, vous avez des huiles antibactériennes très très puissantes et antimicrobiennes et antivirales comme la cannelle, la girofle, l'orange sauvage, l'eucalyptus et le romarin, qui va permettre de soutenir le foie parce qu'on a quand même des huiles qui sont assez costauds. Voilà, mais en prenant sur des courtes durées comme ça, il n'y a aucun problème, faire des fenêtres thérapeutiques de 3-4 jours et de reprendre. Ensuite, vous avez une autre synergie qui est la synergie R. Dedans, vous avez de l'eucalyptus, du laurier noble, du ravintsara, de la menthe poivrée et de la cardamome. Moi, je vous invite à en mettre 3-4 gouttes sur vos avant-bras, comme ça, bien, bien frictionné. Vous avez le point, le méridien poumon ici. Moi, je vous invite vraiment à activer, lorsque vous mettez des huiles essentielles, activez ce point-là pour stimuler ce point poumon. Éventuellement, vous pouvez mettre quelques gouttes au niveau de votre thorax avant de sortir. Voilà. Et si les journées, je suppose que les journées tout de suite doivent être intenses, je vous invite à utiliser une huile essentielle qui est extraordinaire, qui est l'épinette noire. Et cette huile essentielle, vous allez en mettre quelques gouttes pures, hein, il n'y a pas besoin de la diluer, au niveau des surrénales, juste au-dessus de vos reins. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire tous les matins et répéter dans la journée si vous sentez que vous avez. Je vous invite aussi à préparer votre propre gel hydroalcoolique. Alors, j'ai une recette que je vais vous donner demain. Je propose avec mon amie Sylvie Cubizol, nous proposons ensemble un atelier en visioconférence qui aura lieu sur l'application Zoom. Donc, n'hésitez pas à nous demander le lien, à demander le lien, soit à Sylvie, soit moi sous cette vidéo pour que on puisse vous envoyer donc le lien Zoom.
Ça sera sur la trousse à bobologie pour toute la famille. Voilà, donc là, je vous donnerai la recette du gel hydroalcoolique que vous pourrez faire chez vous, qui va vous permettre vraiment de vous protéger et surtout sans décaper votre peau. Et ça, c'est aussi très important de pas décaper le film hydrolipidique de votre peau. Lorsque vous rentrez le soir, et ça peut être pour tout le monde, que ce soit que vous fassiez partie du personnel de la santé ou les personnes qui sont chez elles, c'est important de diffuser des huiles essentielles apaisantes. Alors moi j'en ai deux à vous proposer. Vous avez la Synergie Serenity, qui est à base d'ylang-ylang, de marjolaine, de camomille, de lavande, que vous pouvez utiliser le soir en rentrant chez vous pour apaiser, pour faire descendre la pression. Et je vais vous inviter aussi, alors Serenity, le voici, le voilà, la petite Synergie Serenity. Et la deuxième que moi vraiment j'adore, c'est Balance. Donc là, c'est la synergie de l'équilibre. Et moi, je vous invite vraiment à l'utiliser sous la plante de vos pieds le soir. Vous pouvez l'utiliser aussi sur votre plexus solaire avant d'aller vous coucher. Si vous avez du mal, si vous avez un petit vélo qui est important, cette huile essentielle que vous pouvez utiliser pour les personnes qui sont chez elles aussi, pour l'équilibre, pour méditer. Voilà, c'est la synergie de l'alignement intérieur, de l'équilibre intérieur. Voilà, donc voilà pour ces trois questions. Juste, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les Lucioles? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose à rajouter? Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, donc s'il y a quoi que ce soit à rajouter, n'hésitez pas à le mettre sous cette vidéo. Pour ma part, je vous donne rendez-vous jusqu'à la fin du confinement tous les lundis matin à 10 h pour répondre à trois questions au sujet des huiles essentielles. Merci à toi Fanny, merci d'avoir été là. Je te donne rendez-vous lundi prochain si tu es disponible. Je vous donne toutes et tous hein, rendez-vous lundi prochain. Si vous êtes intéressé à participer aux visioconférences, voilà, toutes les informations sont notées sur ma page Facebook Béren Le Gros. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 10 h. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous, coucounez-vous si vous avez cette possibilité de rester chez vous, profitez de ce confinement pour vous coucouner. Je vous fais un bisou à toutes et tous. Je fais un bisou aussi, je pense à Fanny, à son petit bébé. J'espère que tout va bien pour cette petite poupée. Voilà, donc à très bientôt, à très très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao, prenez soin de vous.